Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jour du 22 décembre. Il est... Quelle heure est-il? Il est 8h04. Voilà, donc je me suis levée très tôt. Je vous ai préparé des petites claquettes, porte-clés, que vous pourrez offrir ou attacher sur vos propres clés à vous. Enfin, vous en faites ce que vous en voulez. On m'avait demandé de le faire. Donc voilà. Très facile à faire. Vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de fils. Après, c'est vous qui choisissez les couleurs. Il faut savoir qu'on a besoin de deux semelles, de faire deux semelles, comme vous pouvez le constater. Voilà, là j'ai joué avec les couleurs. Là pareil. J'ai fait une semelle blanche, une crème. Là j'en ai fait une verte, une crème. Et ainsi de suite. Celle-là, alors toutes les autres sont faites en coton. Celle-là, elle est faite en laine. Vous voyez la différence de taille. Pourtant, c'est exactement le même nombre de mailles. C'est pareil. C'est pour vous montrer la différence de taille. Donc là, c'est du coton. C'est celui-ci. Je vais vous montrer. Pour le beige, c'est celui de chez Zeman qui est vraiment malheureux. Il est idéal. Il est vraiment, vraiment très, très bien. C'est ma mère qui me l'a envoyé par colis. Donc, vous voyez le prix, hein, vraiment pas cher du tout. Il fait vraiment le job. Super, super bien. Je connaissais pas du tout ce coton-là. Franchement, je suis très, très contente. Donc, voilà. Donc, il vous faudra faire deux semelles. J'en ai déjà préparé une. Donc, celle du haut, c'est celle qui va avoir la petite anse. Vous voyez? Parce qu'on va venir fixer celle du bas en dessous. De façon à pouvoir les suspendre. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai crocheté avec un crochet numéro 2 et celle-ci numéro 3. Il n'y a pas grande différence au niveau du crochet, mais par contre au niveau de la taille, c'est normal, c'est de la laine. C'est plus grand. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par faire un nœud coulant. Et on va monter avec 11 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles chaînettes. Dans la deuxième, à partir du crochet, c'est pas la première, la deuxième, on va venir faire une augmentation en mailles serrées. C'est-à-dire qu'on fait deux mailles serrées sur la deuxième en partant du crochet, comme ceci. Ensuite, nous allons faire 4 mailles serrées individuelles à la suite. 2, la maille d'à côté, la troisième, la maille d'à côté, la quatrième. Ensuite, vous faites un jeté sur votre crochet. On va venir faire 4 demi-brides à la suite. 1, 2. La troisième et la quatrième. Là, il va vous rester une seule maille. Et dans cette maille-là, on va venir faire 5 brides. Donc c'est parti. Une bride. Au même endroit, on en rajoute une deuxième. Au même endroit, une troisième. Suivie d'une quatrième. Et on termine avec la cinquième, comme ceci. Ça nous fait un arrondi. Profitez-en pour bien cacher votre fil à l'arrière du travail. Et là, on repart sur la maille qui se trouve juste après celle-ci que l'on a travaillée. On va venir faire une demi-bride. On va repartir dans le sens inverse, en fait. Suivi de 3 demi-brides individuelles, ça nous en fera 4. Voilà, la quatrième. On se positionne bien en face des mailles. Ensuite, on va faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, la troisième, la quatrième. Et là, il va vous rester une maille dans laquelle vous allez venir faire juste ici, là, la dernière,
vous allez faire 2 mailles serrées, c'est-à-dire une augmentation. Comme ceci, pour l'instant, ça nous donne ça. On unit sur la première par une maille coulée. Le fil qui est à l'arrière, celui-ci, on peut déjà le couper pour être tranquille. Voilà, on le coupe. Ensuite, on fait une maille en l'air. On ne travaille pas là où on s'est arrêté. On va aller dans la deuxième directement. On fait un jeté sur le crochet et dans cette maille-là, on va venir faire 2 demi-brides. Dans la maille suivante, pareil, 2 demi-brides ensemble, c'est-à-dire une augmentation. Et maintenant, on va faire 8 demi-brides d'affilée à la suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Et maintenant, on va faire 5 augmentations en demi-bride sur les 5 mailles suivantes. Ça veut dire que l'on va faire 2 demi-brides. Première maille, dans la deuxième maille, 2 demi-brides également. Ça fait 2 fois. Dans la maille d'à côté, 2 demi-brides. 3 fois. La maille d'à côté, 2 demi-brides. 4 fois. Et la maille d'à côté, 2 demi-brides. 5 fois. Donc là, on a fait 5 augmentations. On repart avec 8 demi-brides à la suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 demi-brides. Il nous reste 2 mailles, comme vous pouvez le voir. On va faire 2 augmentations. Une augmentation sur chaque maille en demi-bride. Donc 2 demi-brides dans la première maille et 2 demi-brides dans la deuxième. Comme ceci. On va venir unir sur la maille suivante, maille coulée. Donc vous, si c'est votre première semelle, si c'est pas la deuxième, enfin si c'est la couleur que vous voulez pour avoir en dessous, vous faites pas la petite chaînette. Si c'est la couleur que vous voulez pour avoir dessus, le dessus, vous faites par exemple 10, 12, 14 mailles chaînettes. Comme ça, je vous montre. Et ensuite, vous revenez au même endroit et vous faites une maille coulée. Donc moi, je ne vais pas les faire puisque je l'ai faite sur celle-ci. Donc ce que je vais faire par contre, c'est que je vais couper. Et une maille en l'air supplémentaire. Comme ceci. En fait, on va venir superposer la première sur la deuxième. Vous voyez? Mais avant de les superposer, il va falloir qu'on fasse les petites attaches là, que l'on a ici. Donc, je reprends ma première. Je reprends ma couleur du dessous parce que moi, je veux contraster en fait. Je veux que l'attache soit de la même couleur que la deuxième semelle. Vous voyez? Je veux qu'elle soit en beige sur le rose. Alors, on va faire un nœud coulant. On prend notre semelle du haut. Et là, c'est vous qui allez déterminer. Vous voyez, elles ne sont pas toutes à peu près à la même... J'ai pas laissé le même écart. J'ai fait vraiment au hasard. Je me suis positionnée, par exemple ici. Mais je ne vais pas rentrer dans la maille simplement comme on a l'habitude de faire. Je vous montre. Je vais rentrer en dessous. Vous voyez? Au lieu de rentrer dedans, je rentre en dessous. Pour pas détériorer ma chaînette. Parce qu'après, quand je vais faire la couture, sinon ça va pas être joli. Donc, je rentre en dessous. Et là, je vais faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Je vais venir
sur le côté, sur l'autre côté plutôt. Face à face, j'essaye et pareil, je rentre sous la maille. Je ne détériore pas ma chaînette et je fais une maille coulée. Comme ceci. Pour l'instant, ça nous donne ceci. On repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me repositionne dans l'autre sens. Ici, j'avais piqué là. Donc, je me remets ici et je pique sur la maille suivante. À travers, je passe en dessous en fait. Maille coulée. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez en faire 7, 6, 9. Tout dépend de comme vous voulez. Et là, je continue. Je fais la même chose. Je passe sous la maille suivante. Maille coulée. Et on va en faire une dernière. Une dernière petite lanière. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 et 8. On se retourne dans l'autre sens. Une maille coulée. Maintenant, pour unir tout ça, parce que là, ça fait un peu un petit. Ça fait un peu désordre, on va dire. Hein? Donc, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je me positionne comme ça, j'attrape toutes mes lanières. Je vais passer dessous. Vous voyez, je passe dessous. Je viens, je fais une maille serrée. Et j'en refais une deuxième. Comme ceci. Et maintenant, je fais trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Parce qu'on a deux mailles serrées qui remplacent la première. Et je viens me fixer ici avec une maille coulée. Et là, j'ai terminé complètement. Je coupe le fil, je fais une maille en l'air supplémentaire, voilà. Voilà ce que ça nous donne. Alors, les fils, je les passe, je les attrape, je les passe en dessous. Comme ils vont être à l'intérieur avec la couture, on ne les verra plus. Voilà, ils sont en dessous. On peut même les relier ensemble, faire un tout petit nœud. De toute façon, ça ne bougera pas puisqu'il va y avoir la couture. On va unir les deux semelles. Et on coupe un petit peu. Ça sert à rien de laisser autant de fil. L'excédent. Comme ceci. Voilà, pour l'instant, ça nous donne ça. Bien sûr, on ne peut pas la laisser comme ça. Parce que c'est pas joli à l'arrière. Donc, on va venir, on reprend notre fil de la deuxième semelle. Et là, c'est simple, on va rentrer dans chacune des mailles qui correspondent face à face. On prend les quatre brins, deux brins de la première semelle et les deux brins de la deuxième. On fixe avec une maille et là, on va venir faire des mailles coulées. Sur chaque maille qui correspond à la sienne, on entre maille coulée. On va faire ça tout le tour. Maille coulée. Vous voyez? À chaque fois, j'attrape les mêmes mailles qui correspondent. J'essaie de les positionner bien face à face. Et je les relie entre elles. Mes deux semelles, je les relie avec des mailles coulées en passant à travers les quatre brins. Justement, c'est ça qui va nous donner cette impression de cette réalité en fait, vous voyez? Une petite hauteur. Voilà pourquoi je ne voulais pas détériorer, pour pouvoir bien rentrer et faire la jonction entre les deux. Voilà, donc vous continuez comme ceci jusqu'au bout de votre semelle et une fois que nous arrivons sur au niveau de l'anse, la anse, je vous montre comment moi j'ai procédé
pour unir. On se retrouve de suite. Voilà, vous voyez, j'ai continué. Et là, j'arrive à l'endroit où j'ai fait ma petite chaînette. Et ben, tout simplement, je passe à l'intérieur, je la plie vers moi, je la rabats, je passe à l'intérieur et je termine ma maille coulée, comme j'ai fait tout le tour. Ensuite, je viens ici et j'unis également avec une maille coulée. Vous laissez une petite longueur pour aller cacher votre fil. Une maille en l'air supplémentaire. Et maintenant, avec les aiguilles, voilà ce que ça donne déjà, vous voyez? Ça fait vraiment l'impression, ça donne vraiment l'impression d'avoir une semelle, d'avoir une semelle double en fait. C'est trop mignon. Et ensuite, on va, avec l'aiguille, on vient, on rentre à l'intérieur et on cache nos fils. Voilà ce que ça nous donne. Des petites claquettes, porte-clés à offrir ou à garder pour soi. Ça, c'est vous qui décidez. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je suis désolée, hein, je suis un peu au ralenti ce matin. Je vais aller ouvrir à mes poules, parce que je ne l'aurais pas encore ouvert, il fait encore nuit. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, un bon crochet. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez. Et en attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Salut, salut!